trouver que le gras fondait parfaitement, pas trop vite. Ça, c'est un bon point, parce que souvent, on a tendance à avoir trop de gras au fond de la poêle quand on fait saisir son magret. Celui-là était bien. Il prend une jolie coloration sur le côté chair. C'est un produit qui est très agréable à travailler. Moi, j'ai trouvé qu'on avait un très beau produit d'aspect. Le gras était sec, accru. Moi, je suis sur la partie basse du magret, donc j'avais une cuisson très uniforme avec une vraie bonne jutosité, un équilibre entre la partie grasse et la partie maigre, vu la tranche que moi j'ai eue. J'ai fait d'abord colorer mon magret. Je l'ai d'abord frotté aux épices puis coloré. Il y a du cumin, de la coriandre et de la baie rose. Une fois coloré, mais en gardant bien bleu le canard, je l'ai roulé dans de la pâte filo avec de la purée de pommes. Je badigeonne avec ça, je le roule et après je le refais cuire pour donner le côté croustillant à la pâte filo. Et en fait, ça finit la cuisson du magret. On sent le goût de canard, belle couleur de graisse, mais on sent bien le canard gras.